La géographie historique des cantons de l'Est au Québec est très étroitement liée à ces voies navigables. Les voies navigables étaient les veines et les artères qui pénétraient dans tous les coins du sud du Québec. Au début du 19e siècle, le bassin hydrographique de la rivière Saint-François a joué un rôle clé dans les modèles de communication, de colonisation, de transport, d'énergie hydraulique et d'industrie. Ce documentaire sur les traversées de la rivière Saint-François commencera dans la base vallée de la rivière, alors qu'elle traverse les comtés de Richmond et de Drummond et les anciennes seigneuries où elle se jette dans le fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Pierre, près d'Odanac. Les premières routes de colonisation en provenance de la Nouvelle-Angleterre et de la ville de Québec et à destination des cantons de l'Est seront retracées, ainsi que la croissance économique de la base vallée de la rivière Saint-François qui s'en est suivi. Mais, plus important encore, il fournira des preuves des nombreuses et diverses traversées de la rivière dans les villes, les hameaux et les lieux de campagne le long de la rivière Saint-François qui ont tissé la toile de l'activité humaine au début des 19e et 20e siècles. Les abbés d'Aquis ont montré des routes de la Nouvelle-Angleterre via le réseau de la rivière Connecticut jusqu'au fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Pierre. Ils se sont établis à Audanac et à Woolinac, des sites permanents situés près de Pierreville et de Bécancour, qui existaient probablement depuis les années 1670. Ces premières routes de colonisation suivaient le bassin du réseau de la rivière Saint-François en provenance de la Nouvelle-Angleterre et servaient de réseau de communication par eau entre le réseau du fleuve Connecticut et celui du fleuve Saint-Laurent. Avant 1791, l'établissement britannique de Québec avait délibérément fermé le sud du Québec à la colonisation afin de servir de zone tampon entre les États-Unis nouvellement indépendants et l'Amérique du Nord britannique. Après 1791, cette politique d'exclusion menée par le gouvernement britannique au pouvoir à Québec à cette époque a permis au commerce, à la population et au mouvement militaire de commencer. Quelques 20 000 habitants de la Nouvelle-Angleterre sont venus s'installer dans les cantons de l'est lors de la première grande vague de colonisation entre 1781 et 1830. Mais en 1815, des soldats démobilisés de la guerre de 1812-1814, sous le commandement du major général Frederick George Harriet, sont amenés dans le comté de Drummond pour s'installer et commencer une nouvelle vie. D'autres colons d'Angleterre et d'Écosse sont arrivés plus tard, principalement par les routes américaines. Cependant, à la suite de la création de la British America Land Company en 1833, dont le siège social est à Sherbrooke par Alexander Galt, les immigrants des îles britanniques sont encouragés à s'installer dans les cantons de l'Est du Québec. Au milieu du siècle, dans les années 1840, Environ 3000 immigrants sont arrivés d'Irlande pendant les famines et 1100 autres sont arrivés d'Écosse, d'Angleterre et du Pays de Galles. Les terres défrichées le long de la rivière Saint-François. Pour le développement d'une économie agricole se sont avérés meilleurs en altitude, où les sols légers, bien drainés et fertiles étaient abondants. Une prolifération de petits villages de moulins est apparue sur les sites majeurs et mineurs d'énergie hydraulique le long de la rivière Saint François. Des scieries, des moulins à grains, et un certain nombre de petits établissements manufacturiers dépendant de l'approvisionnement local en matières premières, par exemple la laine, ont été établis et souvent un village s'est développé autour de ces endroits. En 1815, l'arpenteur général du Bas Canada, Joseph Bouchette, publie une description topographique de la province du Bas Canada, dans laquelle il décrit la navigation sur la rivière Saint François comme étant difficile extrêmement laborieuse, avec de nombreux portages pour contourner les rapides et les chutes turbulentes. La navigation du lac Memphremagog jusqu'au Saint Laurent était rendue difficile par de nombreux obstacles puissants, comme les grandes chutes de Brompton dans le comté de Richmond, d'une longueur d'environ 2000. La cargaison des bateaux et des chalands devait être déchargée à la tête des chutes puis transportés jusqu'à l'extrémité des chutes, où l'on retrouvait des, les bateaux vides qui avaient été transportés par flottage sur le côté ouest des chutes. De nouveau, les bateaux étaient rechargés et poursuivaient leur route sur environ 7000 jusqu'aux chutes de Little Brompton, où le travail précédent était répété. Il y avait ensuite une distance de quinze milles entre les chutes de Brompton et le portage du canton de Kingsey avec des courants plus dangereux à manœuvrer. De là jusqu'aux chutes de menu, à quelques vingt milles en aval, la route est libre. Mais des portages sont de nouveau nécessaires aux chutes de menu et, deux milles plus loin, à Lord's Falls. Un autre rapide dangereux, connu sous le nom de Spicer's Rapids, se trouvait à six milles en aval de Lord's Falls. Finalement, tous les problèmes étaient passés lorsque la rivière Saint-François s'est écoulée librement dans le lac Saint-Pierre sur le fleuve Saint-Laurent. Selon M. Bouchette, en 1815, plus de 1500 barils de cendres ou de potasse ont été transportés sur la rivière au cours de l'été. À partir du canton de Brompton dans le comté de Richmond, trois ponts ont été construits pour permettre au trafic routier et ferroviaire de traverser la rivière Saint-François. Deux ponts ont traversé la rivière au même endroit. Le premier pont, un pont couvert, a été construit en 1891 et il a été nommé le pont Mercier. Il a été emporté par la glace en 1902 et a été reconstruit en 1903. Il a existé jusqu'à l'embarque de 1948 où il a été détruit. Le troisième et actuel pont a été reconstruit sur la rivière Saint-François et permet le passage de la route 243. Un pont ferroviaire construit et exploité par la St. Lawrence and Atlantic Railroad Company permettait aux trains d'effectuer l'une des nombreuses traversées de la rivière en direction et en provenance de Portland dans le Maine. Construit pour la première fois en 1852, il a été renouvelé en 1948 après des dommages causés par la glace. Il a été totalement reconstruit en 2019 suite à l'effondrement de l'ancien pont causé par un important dégât de glace le 13 janvier 2018. Les principaux noms des colons qui ont apporté l'agriculture et l'industrie à Brompton sont Addison, Barnes, Bishop, Brooks, Cox, Gardner, Hyde, Knapp, Morey, Pierce, Robinson, Varney, Wakefield et Wilcox. La principale industrie, la fabrication de pâte et de papier, s'est établie au début du 19e siècle et se poursuit encore aujourd'hui. La Brompton Falls Pulp and Paper Company, créée en 1900, utilisait l'énergie hydraulique produite à Brompton Falls pour fabriquer de la pâte de bois vert. Les dirigeants de la société étaient le directeur E. W. Tobin de Bromptonville, le président George P. Pierce et le trésorier W. N. Monroe, tous deux d'Auburn dans le Maine. La construction du barrage a commencé. En 1901, vers 1908, la Brompton Pulp and Paper Company a converti son usine de soude en pâte craft, devenant ainsi la première usine de papier craft au Canada. Plus tard, Kruger a pris en charge la fabrication de papier journal et de papiers spéciaux. En 2020, Kruger a cessé la production de papier journal au profit de la production de papier biodégradable 100% recyclé et approuvé pour le contact alimentaire direct. Un traversier et trois ponts, le premier étant un pont couvert, ainsi que deux traversées vers Coney Island, une île de loisirs, ont agrémenté la scène de Windsor depuis plus de 150 ans. La première traversée de la rivière ici était un traversier exploité par M. Wortell de Rankins à Greenley à Wortell's Landing à Windsor Mills de 1872 à 1875. En 1875, un pont couvert en bois a été construit pour remplacer le bac entre Brampton. Plus tard nommé Greenlee et Windsor Mills par la Windsor and Brompton Bridge Company. Avec deux piliers dans la rivière, ce pont solide était suffisamment large pour permettre le passage de deux véhicules tirés par des chevaux. Cependant, il a été détruit par les autres eaux et la glace en mars 1898. Ce pont à péage a été construit en acier par la Dominion Bridge Company pour la Windsor and Brompton Bridge Company sur le même plan que le pont en bois, sauf qu'il était surélevé de plusieurs pieds. Le pont a été libéré du péage le 1er juillet 1915. En 1867, le pont qui était situé dans la cour de l'usine de la Canada Paper Company a été déclaré dangereux et un autre pont a été construit en 1877 pour le remplacer. Puis, en mars 1900, la route a été reconstruite 150 pieds au-dessus de l'ancien emplacement et un nouveau pont en acier de 25 pieds de large a été construit ici. Ce lieu de villégiature a été construit sur une île qui appartient à René Hébert, un tailleur de Windsor. Un pont suspendu par des câbles se trouvait sur le côté est de l'île. Du côté ouest, il y avait un pont flottant en bois. De plus, un traversier circulait du barrage de la papeterie jusqu'à l'île. Il transportait 28 passagers et le coût par personne était de 25 cents pour chaque trajet. Il est intéressant de noter que le nom original, Windsor Mills, a été changé en Windsor. Le 19 février 1914, tel que sanctionné par la législature du Québec. Les principaux noms des premiers colons qui ont eu une influence sur les affaires publiques de Windsor sont ceux du capitaine Josiah Brown, de G. A. Dearden, de Gilbert Farker, d'Abbot Fry et de Charles Wortel. Brompton, qui fut plus tard nommé Greenley fut établi sur la rive ouest de la rivière Saint-François, en face de Windsor, et fut d'abord colonisé par des personnes venant d'Angleterre et d'Écosse. Des noms éminents comme Addison, Gardiner, Greenley, Knapp, Lazenby, Pierce, Rankin, Smith et Stevens ont été impliqués dans les affaires publiques. L'industrie de la pâte et du papier de Windsor a débuté en 1859 et se poursuit encore aujourd'hui. La première usine de pâte à soude du Canada a été établie ici en 1865 par Angus, Logan et Thompson. Le village de Kingsbury était situé dans le comté de Richmond, sur la rivière au Saumon, à environ 4000 de la rivière Saint-François. Kingsbury était un village de bûcherons. Matthew Clark a construit et exploité la scierie et le moulin à grains Clarks vers 1840. Plus tard, Williamson et Crombie ont exploité avec succès la scierie pour exporter du bois dur destiné à être vendu à Montréal et au Royaume-Uni. Les chemins de fer donnent à Kingsbury l'avantage d'avoir un moyen de transport vers les grands marchés mondiaux. La région de Kingsbury, notamment à New Rockland, est également célèbre pour l'extraction de l'ardoise. Plusieurs carrières sont ouvertes, employant quelques 300 hommes, dont beaucoup viennent du Pays de Galles. De Cornouailles en Angleterre. La période de production s'étend de 1860 à 1890. Le transport de l'ardoise était assuré par des attelages de chevaux qui l'emmenaient jusqu'au Grand Trunk Railway à Richmond. En 1891, le New Rockland Slate Quarry Railway, un chemin de fer à voie étroite, a été construit. Le pont du New Rockland Slate Quarry Railway traverse la rivière Saint-François de Sloan Island à Corus, près de Windsor. Il constituait un lien nécessaire avec le Grand Trunk Railway afin d'acheminer l'ardoise des carrières de New Rockland vers les marchés du pays. Un petit pont couvert intéressant, le Rockland Covered Bridge, enjambait la rivière au saumon près de Kingsbury, ce qui permettait aux ardoisiers, aux bûcherons et aux habitants de la région de traverser la rivière au saumon. Un journal local rapporte que le colonel Harcombe de Melbourne a reçu un contrat de la municipalité de New Rockland pour construire un pont sur la rivière au saumon en utilisant l'une des travées de l'ancien pont Richmond Saint François. Cela ferait trois ponts municipaux que le colonel avait construits à partir de travées de ce vieux pont. Diverses traversées de rivières ont été observées au fil des ans dans le canton de Melbourne et la région de Richmond ou à proximité. On y trouve deux bacs, Trois ponts couverts, deux ponts en acier et un pont ferroviaire. Ce pont couvert a été construit au coût de 1138 par William Hood and Sons de Montréal. Les spécifications prévoyaient un pont en treillis de 88 pieds de long sur 16 pieds de large. Les pièces de bois formant le treillis mesurait trois pouces sur dix pouces et était fixé ensemble par des chevilles en bois de un pouce et demi. De gros bois équarris étaient utilisés pour les seuils et les plaques de la structure. Le plancher, constitué de planches de trois pouces, s'étendait dans le sens de la longueur du pont. Malheureusement, il a été détruit par un incendie criminel en 1988. Avant la construction d'un pont entre Richmond et Melbourne, un traversier existait entre Upper Melbourne, près du pied de Cemetery Road, et la première gare de Woodyard sur le chemin de fer Saint Lawrence and Atlantic. On sait que le clergé de Richmond et d'autres personnes importantes préféraient vivre à Upper Melbourne pour échapper à la fumée, au bruit et à la saleté du chemin de fer. Les gens de Melbourne avaient également besoin d'un moyen de traverser le fleuve et un traversier était le choix évident pour les premières années. Cependant, vers 1847, les résidents ont commencé à réclamer un pont pour relier les deux villages. Le squire Daniel Thomas d'Upper Melbourne a présenté sans succès son plan pour un pont flottant aux fonctionnaires de la ville de Québec. Mais, Quelques mois plus tard, le gouvernement provincial a répliqué avec un plan pour un pont à péage. Après de nombreuses négociations sur les coûts, une entente est conclue avec Chamberlain et Merrimer pour effectuer les travaux au coût de 4205 205 avec M. R. Lewis comme contremaître. Les travaux du pont en bois ont commencé sur un site juste au-dessus de Lady à Melbourne jusqu'à un point à Richmond près de l'usine de Boston Last. Monsieur Lewis de Melbourne était le surintendant des travaux et le forgeron de Richmond, Monsieur Ephraim Driver, aurait fabriqué tous les crampons et les clous du nouveau pont. On pense que le gardien du péage était Monsieur Ned Cooney. Le pont en bois a été condamné après de nombreuses années et la décision a été prise de le remplacer par un pont en acier. Mais l'emplacement du pont en acier a failli provoquer une guerre civile. Les habitants d'Upper Melbourne voulaient qu'il soit construit aussi près que possible de l'emplacement du pont couvert. Les gens de Lower Melbourne s'agitaient pour l'emplacement du pont actuel. C'est finalement la population d'Ulverton qui a fait pencher la balance en étant en faveur Protagonistes de Lower Melbourne. Ce pont à payage a été construit en acier en 1882 pour un coût de 45 000 Il mesurait 800 pieds de long, comportait cinq travées et appartenait à une société par action. Cependant, le pont n'a pas vécu longtemps. Sept ans plus tard, en 1889, deux travées du côté de Melbourne ont été emportées par la glace et le traversier a de nouveau été utilisé pendant les réparations. Puis, en 1891, l'ensemble du pont fut emporté par les glaces, ce qui obligea à utiliser à nouveau le bac. Jusqu'à ces dernières années, de graves inondations, souvent associées au ruissellement printanier, ont été enregistrées chaque mois de l'année sur la rivière Saint-François. Les villes de Brompton, Windsor et Richmond sont très vulnérables aux inondations en raison des niveaux élevés de débit de cinq affluents de la rivière Saint-François près de Sherbrooke pendant la débâcle printanière, à savoir les rivières Ascot, Meaux, Quaticook, Massawippi et Magog. De plus, des affleurements du substrat rocheux rétrécissent le cours inférieur de la rivière Saint-François à plusieurs endroits ce qui donne lieu à des embâcles. L'inondation du 19 avril 1982 a été l'une des plus importantes jamais enregistrées. Jusqu'à ces dernières années, les poissons étaient abondants dans la rivière et constituaient une source de nourriture vitale pour la population et une attraction récréative pour la région. Jusqu'à la construction de barrages pour l'industrie, le saumon de l'Atlantique remontait la rivière Saint-François et ses affluents. En fait, le poisson était si abondant qu'au début de la construction du chemin de fer du Grand Tronc, on raconte que les cheminots demandaient qu'on ne leur donne pas de saumon plus de trois fois par semaine. Les autres poissons que l'on trouvait naturellement dans la rivière Saint-François étaient le touladi et la truite de ruisseau, la perchaude. Le Masquinongé, l'Esturgeon et le Grand corégone Nommé en l'honneur de M. Peter Samuel George Mackenzie, membre local de l'Assemblée législative de Richmond et trésorier de la province, ce pont à payage a été construit pour un coût de 51 000 le péage a été supprimé en 1913, date à laquelle une grande fête a eu lieu pour la libération du pont. Un panneau affiché sur le pont pendant de nombreuses années Walk or Pay ten dollars était nécessaire pour empêcher le pont de trembler lorsqu'il était utilisé. Les chevaux n'étaient pas autorisés à trotter et les soldats devaient casser le pas en traversant le pont. Aujourd'hui, en 2021, le pont, qui a été bien entretenu, est toujours debout et utilisé en permanence. En juillet 1964, le gouvernement provincial du Québec a accordé un contrat de 1 million 000 à la société Quebec Engineering de Montréal pour la construction d'un nouveau pont entre Melbourne et Richmond qui permettrait d'acheminer la circulation de transit autour de la ville de Richmond et de décongestionner la rue Maine. Il a été construit en 1965-1966 et a permis aux routes 116, 143 et 243 de traverser la rivière Saint-François. Il a été connu pendant de nombreuses années sous le nom de Pont Neuf. En 2009, il a été nommé en l'honneur de l'artiste canadien bien connu et originaire d'Upper Melbourne, Frederick Coburn, par la Commission de toponymie du Québec. « Aucun événement n'a eu une influence aussi considérable sur le développement des cantons de l'Est et plus particulièrement de la vallée de la Saint-François que la construction du grand tronc de chemin de fer », écrivait le docteur John Hayes en 1909. Les anciennes méthodes de transport par bateau, le long des rivières Saint-François et Nicolet, vers les villes marchandes de Québec, Montréal et Trois-Rivières, ou par diligence sur des routes mal construites, sont vite devenus choses du passé. Le comté de Richemont, traversé par sa ligne principale le long de la rivière Saint-François et par la division de Québec en direction du nord, doit une grande partie de sa croissance ultérieure aux activités ferroviaires. À l'époque de M. Hayes, le chemin de fer était connu sous le nom de Grand Trunk, mais lorsqu'il est arrivé à Richemont en 1851, il avait reçu une charte sous le nom de St. Lawrence and Atlantic Railway. C'était l'un des premiers projets ferroviaires à grande échelle au Canada et son achèvement a mis Richmond et les cantons de l'Est sur la carte. L'ouverture de nouveaux marchés du côté américain pour les produits des colons et l'accès plus facile au marché ont entraîné une augmentation des possibilités d'utilisation des ressources naturelles de la forêt, de la ferme et de la mine. Par conséquent, Windsor Mills, Danville, Brompton Falls, Kingsbury et Melbourne ont pris une importance nouvelle et croissante. Betsy Clark était propriétaire des terres du canton de Melbourne sur lesquelles la SL et AR devaient passer. La vente des terres de Clark à la SL et AR en 1848 a été la clé du développement du chemin de fer dans la région de Richmond, car le chemin de fer devait passer par Melbourne et non par Richmond. Néanmoins, les manœuvres politiques des responsables de Richmond ont déplacé le chemin de fer sur la rive de Richmond et ont rendu nécessaire la construction d'un autre pont ferroviaire. Cette décision s'est avérée coûteuse car elle a nécessité un pont supplémentaire à Brompton Falls pour ramener les rails sur la rive ouest de la rivière à Sherbrooke et au delà. L'ingénieur civil du pont du Dominion engagé à cette fin était Casimir Zauski, arrière arrière grand père de Peter Zauski, célèbre à la CBC qui a planifié et fait construire un pont depuis les terres de Betsy Clark sur la rive ouest de la rivière jusqu'à la rive est de la rivière, juste au nord de Richmond. La municipalité d'Olverton et le canton de Kingsey partageaient une traversée de la rivière Saint-François, à savoir un traversier actionné manuellement par des câbles. Il traversait de près de l'église anglicane de Kirkdale à Trentholmville, près de l'Église unie. Connu sous le nom de Hall's Crossing, il a fonctionné des années 1890 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Halls Crossing était l'un des deux autres traversiers qui traversaient la rivière Saint-François entre l'avenir et Kingsley, à savoir le traversier Husk situé en aval d'Alverton et le traversier McLean Jutra près de l'avenir. Le traversier Husk a été exploité de 1876 à 1921. Il s'agissait d'un traversier à chaland avec des chemins privés. Menant à la rivière Saint-François, tant du côté de l'Avenir que de Kingsy. Ils transportaient les gens de la région dans leurs bogets, chariots, etc., ou à pied. Le bétail, les chevaux et les besoins agricoles étaient transportés à travers la rivière. Un certain nombre d'enfants de l'Avenir traversaient la rivière Saint-François pour recevoir leur éducation à l'école consolidée de Kingsey dans le canton de Kingsey. De 1905 à 1952, l'école Kingsey Consolidated School, connue comme la première école consolidée de la province de Québec, a continué d'éduquer les enfants des cantons de l'Avenir et de Kingsey. La rivière Noire, connue sous le nom de rivière Alverton sur les cartes d'aujourd'hui, rejoint la rivière Saint-François juste en dessous du village d'Ulverton sur la route 143 où un pont couvert a été construit au début des années 1800. Un autre pont couvert, au moulin Blanchette, connu sous le nom de moulin à laine sur le chemin Mooney, enjambe également la rivière Noire et est situé en amont, à quelques kilomètres du village d'Olverton, à l'emplacement du Moulin-Alain. Une formation fluviale des plus intéressantes, le bec du Canard, existe près de la longue pointe du canton de Wickham. Sur la longue pointe de Wickham, un très vieux cimetière datant de 1815 existait également. Et près de l'ancien cimetière de Barlow, le traversier de Barlow traversait vers le côté Kingsey de la rivière Saint-François. Il est bien connu que les abénaquis qui avaient établi un village près de l'avenir, utilisaient le secteur du Bec du Canard pour faire du portage jusqu'au côté de Kingsey, afin de continuer à pied vers les établissements autochtones sur le fleuve Saint-Laurent. Le major-général Frederick George Harriet, qui s'était distingué pendant la guerre de 1812-1814 lors de plusieurs batailles dans le Haut et le Bas-Canada, notamment la bataille de la ferme Chrysler où se trouve aujourd'hui Upper Canada Village près de Morrisburg en Ontario, se voit confier la tâche de fonder un établissement agromilitaire sur les rives de la rivière Saint-François qui deviendra Drummondville. Selon Maurice Vallée, historien, quelques 300 vétérans de la guerre de 1812-1814 sont venus avec Harriet à cette colonie militaire britannique, mais seulement 160 vétérans ont suivi les étapes émises par les militaires afin d'obtenir 100 acres de terre. Ces anciens combattants étaient originaires de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Écosse, de Suisse de France, d'Allemagne, d'Italie et de Pologne, et se sont installés dans d'autres hameaux le long et à proximité de la rivière Saint François dans des endroits tels que Lavenir, Alverton, Wheatland, Sydenham Place, French Village, Upper Durham et South Durham. Les premiers colons ont dû faire face à de nombreux handicaps et désastres. Les difficultés auxquelles les anciens combattants ont dû faire face étaient profondes. L'année 1816 a été connue comme l'année sans été, avec des gelées et des températures très froides qui se sont poursuivies en juillet et en août. Les colons déterrent les pommes de terre de semences pour se nourrir et comptent sur l'armée britannique pour les empêcher de mourir de faim. En 1826, le village de Drummondville un autre terrible revers. Un incendie détruit la majeure partie du village, à l'exception des églises catholiques, romaines et protestantes. La reconstruction commence immédiatement et au début des années 1830, le village est de nouveau florissant avec deux écoles, deux moulins à farine, quatre tanneries, quatre usines de potasse, un moulin à cardes et deux magasins. Avant la construction de ponts à Drummondville, les premières routes et les bacs étaient très utilisés. À la fin de 1815, les colons avaient aménagé un sentier pédestre entre le hameau de Drummondville et Saint-François-du-Lac. À la fin du mois d'août 1816, quarante kilomètres étaient complétés entre le village de Drummondville et l'embouchure de la rivière Saint-François. Le 23 octobre 1816, Christopher Myers avait inspecté 25 kilomètres du sentier en direction du fort William Henry, aujourd'hui connu sous le nom de Sorel. Encore une fois, en août 1823, les hommes suivants sont nommés commissaires pour l'ouverture de la route entre Drummondville et Sorel. John Ployard, Robert Jones, Josiah Wortell et Frederick George Harriet. En 1824, une route de 12 pieds de largeur traverse le canton de Grantham et Upton suivant le chemin existant qui passe par la seigneurie de De Geer et relie Drummondville à Sorel. Sous les ordres de Harriet, on construit une route entre Drummondville et Nicolet qui est un prolongement de la Commissioner's Road de Sherbrooke sous la direction de M. W. B. Felton de Sherbrooke. L'extrémité nord était située au port Saint-François sur le fleuve Saint-Laurent. Ce terminus avait été acheté par la British American Land Company comme lieu de débarquement sur le fleuve Saint-Laurent pour les colons destinés à s'établir dans les cantons de l'Est. Avant la construction des ponts à Drummondville, un traversier traversait la rivière Saint-François au bout de la rue Saint-Georges. En fait, il y avait deux traversiers, un de chaque côté de la rivière. Ce traversier a été utilisé avant l'existence des ponts et plus tard, lorsque le pont a été détruit par la glace, à au moins deux occasions différentes. Le premier pont a été construit en 1860 près du village de Drummondville et n'a duré que deux ans. C'était un pont couvert et il a été emporté par la glace en 1862. Le traversier a été mis en service une deuxième fois et a fonctionné pendant 23 ans jusqu'à ce qu'un deuxième pont soit construit en 1885. Construit par la Dominion Bridge Company, il s'agissait d'un pont à payage dont les frais étaient de 5 cents pour une voiture et de 2 cents pour les piétons. Un panneau à chaque extrémité du pont indiquait Défense de trotter ». Ce pont de fer, d'une longueur de 400 pieds, a été construit au coût de 18 000 dollars. Il existe encore aujourd'hui en traversant Drummondville. La croissance de la population de la région de Drummondville et l'augmentation de l'activité économique reliant les deux côtés de la rivière ont mené à la construction d'un autre pont sur la rivière entre 1972 et 1974. Situé à l'endroit où l'ancien traversier traversait la rivière à la hauteur de la rue Saint-Georges, il a été nommé pont de la traverse et il relie le centre-ville de Drummondville au secteur Saint-Charles via la route 122. Il demeure à ce jour le pont le plus utilisé de la région. En 1958, le pont actuel sur l'autoroute 20 est complété. Il a été construit pour alléger la circulation dans le centre de Drummondville. Le Drummond County Railway, dont la charte remonte à 1886, est construit en 1887 Grâce à une subvention provinciale de 96 000 dollars, le pont ferroviaire et 30 000 de voies ferrées sont aménagés de Drummondville à Nicolet pour relier le DCR au réseau ferroviaire du Grand Tronc. Le DCR transportait principalement du bois de chauffage et du bois d'œuvre. En 1899, le DCR est vendu au gouvernement du Canada. Pour 1 176 064 Les industries se sont multipliées à Drummondville et dans les environs, en partie grâce à une main-d'œuvre croissante, à de bons moyens de transport et à une abondance d'énergie hydraulique qui pouvait être convertie en énergie hydroélectrique pour le fonctionnement des usines. Par exemple, la croissance de Bromptonville-Windsor et de Drummondville. Dépendait largement du potentiel de l'énergie hydraulique. Southern Canada Power, par exemple, a permis à des entreprises comme Canadian Selenies de prospérer. Pierreville est une municipalité de Nicolet-Yamaska, située au confluent de la rivière Saint-François et du fleuve Saint-Laurent. De l'autre côté de la rivière Saint-François se trouve la ville de Saint-François-du-Lac à la jonction des routes 132 et 226. Au Danak, la réserve Abénaki est une enclave dans les limites de la ville de Pierreville. Pierreville est célèbre comme fabricant de camions de pompiers. La firme Pierre Thibault Canada Limité y a construit des équipements d'incendie de 1938 à 1990. Aujourd'hui, l'entreprise Carl Thibault Fire Trucks continue de fonctionner à Pierreville. Les traversiers et les ponts ont joué un rôle important dans l'histoire de ces villes, comme en témoignent les photos. Odanak est un nom dérivé du mot abénaki qui signifie dans le village. Odanak se trouve en partie dans les limites de la ville de Pierreville et est situé à l'embouchure de la rivière Saint-François et au confluent du fleuve Saint-Laurent. L'ancien couvent d'Odanak est le site du musée des abénakis consacré à l'histoire, à la culture et à l'art du peuple abénaki de l'Ouest. Alanis Obomsawin, Conteuse, chanteuse et réalisatrice a grandi à Audanac. En 2011, le seul cégep des Premières Nations au Québec a ouvert ses portes à Audanac. À la fin du 19e siècle, les lacs et les rivières de la basse vallée de la rivière Saint-François sont de plus en plus utilisés à des fins industrielles et récréatives. Pendant plus d'un demi-siècle, les eaux de la rivière Saint-François ont fait vivre ceux qui travaillaient dans les forêts, les fermes et les moulins des cantons de l'Est. Les modèles de peuplement, de transport et d'industrie sont un hommage à ceux qui vivent et ont vécu le long de ces cours d'eau et de ces affluents.